Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons apprendre comment on distille une huile essentielle. L'homme a toujours su profiter des bienfaits des plantes médicinales. Seulement voilà, il ne tombe pas toujours malade là où pousse la plante dont il a besoin et ne tombe pas forcément malade à la saison de récolte de la plante dont il a besoin. Il lui a donc fallu trouver un moyen pour conserver, transporter ses plantes. Un procédé, quelque chose de magique qui lui permette de les emporter avec lui. Il y a 3 à 5 000 ans selon les sources, l'homme a mis au point un procédé appelé la distillation à vapeur d'eau. Ceci lui permet d'extraire les huiles essentielles des plantes, que ce soit des feuilles, des racines, des écorces, des bois, enfin de ce qu'il veut. Ce procédé lui permet également de tomber sur un extrait extrêmement petit et donc facilement transportable sur de longues distances et également avec une durée de conservation très longue. Alors voyons maintenant comment cela se fait. Voici un alambic de distillation d'huiles essentielles. La partie principale, la cuve, où l'on va mettre les plantes. En dessous de celle-ci, on remplit un récipient d'eau que l'on va chauffer grâce à un feu. Le feu est soit juste dessous, soit un peu plus loin. Celui-ci va faire bouillir l'eau qui va monter en vapeur à travers les plantes. Non, j'ai dit les plantes dans l'eau bouillante, pas l'aromathérapeute. Pardon bonhomme, on avait dit les plantes, excuse-moi. Donc, la vapeur monte à travers les plantes et passe à travers un long tuyau que l'on appelle le serpentin pour redescendre en se condensant dans une cuve appelée l'encensoir. Ici, elle va se séparer en deux phases qui ne peuvent pas se mélanger. La première, dessous, c'est un hydrolat ou eau florale. La deuxième, qui flotte dessus, est l'huile essentielle. Les deux ne se mélangent pas, ce qui permet d'extraire ce beau produit et de le mettre directement dans des petites fioles si pratiques. J'espère que la distillation n'a maintenant plus de secrets pour vous. Bonne journée !